le football. Des pros aux amateurs, des plus grands stades au terrain vague avec deux cartables pour faire les cages, des enfants aux seniors, le football est incontestablement un des sports les plus populaires au monde. Alors aujourd'hui, dans Un œil dans le rétro, on va se pencher sur l'histoire du foot dans le jeu vidéo. Pendant longtemps, le football en jeu, ça a été ça. Jeux de bar, baby-foot, flipper et le mythique Subbuteo qui, bien que créé en 1947, continuait de faire rêver les gamins des années 90. Du football comme tu n'en as jamais vu. Déplacement fulgurant balle au pied, contrôle total du ballon magnétique, passe facile, dribble, tir, super but. Trajectoire ultra précise, proaction, tu bloques, tu passes et tu marques. Le football comme sur le... On va un peu faire l'impasse sur les jeux des années 70-80. Même si le premier jeu de foot que Taito nommera sobrement Soccer sort en 1973, il ne s'agit en réalité que d'une version de Pong avec un filtre sur l'écran et des cages. Les années 70 verront arriver quelques jeux qui montreront l'intérêt du média pour ce sport, mais les limitations technologiques de l'époque empêchent d'avoir ne serait-ce qu'une réelle représentation graphique de ce sport, même imagée. C'est donc dans les années 80 que les premiers réels jeux de foot vont arriver. Et c'est donc Atari qui s'y colle en 1980 dans un jeu au titre plus qu'original, Soccer. Dans ce jeu, chaque joueur contrôle un seul et unique footballeur dans des équipes constituées de 4 joueurs, gardiens inclus. Si l'on ne joue pas à 4, on se retrouve donc très rapidement avec des plots qui ne bougent pas sur le terrain. La même année, Atari sort également Championship Soccer, qui cette fois permet à chacun des deux joueurs de contrôler les trois footballeurs de son équipe, mais qui bougeront tous ensemble. On est alors bien loin de la représentation d'un match de football, l'IA est inexistante, les ballons rebondissent contre les murs, et il faut beaucoup d'imagination pour imaginer, dans ces graphismes, une finale de Coupe du Monde. En 1985, c'est Nintendo qui s'y colle. Il sort lui aussi son Soccer, original comme titre. Cette fois, on se rapproche un peu plus de la représentation d'un match de football, même si la technologie de l'époque empêche bien évidemment d'afficher 22 personnages. Même si le bond technologique est immense, l'IA reste la plupart du temps complètement aux fraises, gâchant clairement le potentiel du jeu. Nous voilà donc en 1989 avec la sortie du mythique Kick-Off. Kick-Off va poser les fondations du jeu de foot pour quasiment une décennie. La vue du dessus permet de voir un peu mieux ce qu'il se passe sur le terrain, mais c'est surtout la conduite de balle complètement désolidarisée du joueur qui fait tout le charme du jeu et de cette série. On devra apprendre à maîtriser son ballon correctement si on veut progresser. Même s'il ne paye pas de mine, Kick-Off reste un tournant décisif dans l'histoire du jeu de football. En effet, en 92 sort Sensible Soccer, autre pierre angulaire du jeu de foot. Sensible Soccer reprend la recette de Kick-Off et l'améliore. Une vue plus éloignée, permettant de mieux construire et appréhender encore plus facilement le terrain. Sensible Soccer est un jeu plus collectif et moins axé sur la conduite de balle. Avec une IA bien moins à la ramasse, Sensible Soccer est peut-être ce qui se fait de mieux en simulation de football à l'époque. Le milieu des années 90 est ce qu'on pourrait appeler le premier âge d'or des jeux de football. Les consoles 16 bits sont arrivées, les salles d'arcade explosent et une nuée de jeux de football sort donc. Même si dans le tas, peu sortent du lot. En effet, la plupart des jeux de l'époque sont au mieux oubliables. Super Soccer, par exemple, sur Super Nintendo, fait péter le mode 7 pour donner l'impression de profondeur au terrain. Esthétiquement, c'est joli, c'est parfait, mais ça rend les attaques vers le bas totalement injouables. Nous sommes sur une génération de jeux où le ballon colle plus que jamais au pied du joueur, et l'héritage de Kick-Off semble bien loin. Les tacles pleuvent, les coups d'épaule et les scores fleuvent, nous sommes bien dans le monde de l'arcade. Et c'est justement dans les salles d'arcade que Sega va sortir le mythique Virtua Striker. Et Virtua Striker, c'est une claque graphique à sa sortie, notamment en raison de ses graphismes en 3D. Après, dans les salles d'arcade en France, autant être clair, à 10 francs la partie, heureusement qu'on en prenait plein les mirettes, vu la difficulté du jeu. Et même l'époque où Captain Tsubasa, dit Olivier Tom en français du Club Dorothée, va être adapté un milliard de fois sur NES et Super Nintendo, entre autres. Pour donner un jeu qui va se retrouver à la croisée des mondes entre stratégie, tactique et gestion de ressources. Un jeu original qui marquera un petit tournant dans l'histoire puisque, quelques décennies plus tard, un petit jeu sur Nintendo DS va reprendre un peu le concept pour donner une série qui va cartonner, mais on reviendra plus tard. Mais si le milieu des années 90 est considéré comme le premier âge d'or du jeu de football, c'est surtout pour le premier opus des deux grosses licences, les deux mastodontes du jeu de football encore aujourd'hui, j'ai nommé FIFA et ISS.
International Superstar Soccer. Et c'est donc FIFA qui sort le premier en 1993. Même s'il affiche fièrement sa licence sur sa jaquette, le jeu d'Electronic Arts ne possède à l'époque aucun nom d'équipe ou de joueur réel. La caméra de 3 quarts nuit à la construction du jeu par rapport notamment à Sensible Soccer sorti l'année précédente, mais permet de se rapprocher au maximum des retransmissions télévisées de l'époque. Le jeu de foot est à un tournant, le but n'est plus de faire le meilleur jeu de foot, mais de faire celui qui se rapprochera le plus de ce qu'on voit à la télévision. FIFA est alors très arcade, les passes sont téléguidées et le ballon ne quitte jamais le pied du joueur tant qu'il n'est pas taclé. Et c'est en 94 qu'arrive alors le maître incontesté du football sur les consoles 16 bits, International Superstar Soccer, ISS pour les intimes. Le jeu garde la vue de 3 quarts de FIFA mais ajoute un radar pour avoir le positionnement des joueurs sur le terrain. On peut ainsi construire le jeu. ISS est un jeu également très arcade, permettant une prise en main facile et immédiate, et il suit juste la stratégie de FIFA en la sublimant. Le travail sur les ambiances de stade est absolument magnifique, ISS est désormais le nouveau maître étalon du jeu de foot sur console. Mais en 94 sort surtout quelque chose qui va révolutionner, non pas uniquement le jeu de foot, mais également tout le jeu vidéo. Je parle évidemment des consoles 32 bits, notamment la PlayStation. Mes chers compatriotes, bonjour, je vous parle en direct du CAP, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire, mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu? Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Voilà une publicité qu'aurait approuvée assez facilement Famille de France à l'époque. Le jeu vidéo, c'est le diable et il rend bête. Sony se lance dans une campagne marketing sans précédent où il détourne absolument tous les préjugés que l'on peut avoir sur le jeu vidéo. Mais revenons à nos moutons. Et à propos de moutons, avec l'arrivée du support CD, les jeux de foot vont pleuvoir. La plupart du temps, ils sont oubliables. Souvent, ils sont médiocres. Et les éditeurs n'hésitent pas à prendre le joueur pour des cons, faut être clair. Laissons de côté nos deux grossissances pour l'instant et penchons-nous sur quelques exemples. Premier exemple, David Beckham Soccer. Même s'il est loin d'être le pire, le jeu du Spice Boys sort quand même en 2001 et est parfaitement oubliable. Il ne se repose que sur sa licence et ne propose absolument rien de neuf. Tout est flottant et plutôt laid, et on est quand même en fin de vie de la PS1. D'ailleurs, pour montrer à quel point on ne se repose que sur la licence chez Rage Software, voici la version Game Boy Advance. Oui, c'est un jeu de plateforme très générique et plutôt nul, disons-le, et on ne joue même pas David Beckham. Alors oui, il y a un ballon, mais soyons sérieux, l'école des champions faisait mieux 10 ans plus tôt sur Super Nintendo. Dans le genre, on a une licence et on se moque du reste, je nomme aussi Adidas Power Soccer, jeu également oubliable mais qui nous proposait de vraies publicités pour la chaussure Predator de la marque. Alors oui, cela donnait des scènes rigolotes avec le gardien qui se faisait propulsé dans ses propres cages avec le ballon, mais sérieusement avec le recul, le jeu n'est vraiment pas bon. Pour finir avec les jeux de marketeux, The Mission. Alors le jeu est tiré de 7 licences. Oui, une pub pour Nike qui était très classe à l'époque, mais avait-on envie de voir ça en jeu? Je ne crois pas, surtout quand on voit le résultat. Oui, on doit éviter des lasers rouges comme dans la publicité. On est d'accord, c'est de la merde. On enchaîne avec Zidane Football Generation sur Game Boy Advance et ce fameux mode OUP du monde. Mais bon sang, vous n'avez même pas de licence, il n'y a même pas Zidane dans votre jeu. Heureusement à l'époque, certains arrivent à casser les codes et à proposer des expériences absolument fascinantes. Libero Grande. Même si le jeu en lui-même n'est pas extraordinaire, son postulat de base est incroyable. On ne joue pas tous les joueurs de l'équipe, comme dans la plupart des autres jeux de foot, mais un seul. Un peu comme dans Soccer en 1973.
On a donc notre rôle et un poste à tenir. Et oui, le mode BioPro de FIFA et Vers une légende de PES, qui sortiront bien plus tard, ne sont que les enfants du grand Libero Grande. Incroyable. Et en bonus, un petit extrait de Onside Football, le jeu aux commentaires les plus claqués au sol. Centre, mais trop fort. Belle parade. Coup franc. Super barré. Pendant ce temps-là, nos deux licences phares poursuivent leur transformation. FIFA prend toutes les licences et offre aux joueurs d'incarner ses footballeurs préférés, tout en se construisant une équipe de rêve. Club, sélection, compétition, tout y est. FIFA est un monstre d'immersion. Le jeu est rapide, précis, et même si le gameplay reste définitivement à l'école de l'arcade. Les frappes sont téléguidées vers la cage, les remontées de balles au pied assez aisées, et on peut enchaîner une dizaine de roulettes de suite sans être inquiété. Le jeu d'EA Sports se suivront et s'amélioreront au fur et à mesure. Et c'est en 98 que l'on arrivera à la quintessence du FIFA sur 32 bits. Du plaisir rapide, automatique et des soirées endiablées avec ses amis où les scores fleuves s'enchaînent. 10-0, 10-5, 7-8, 9-4. Ça, ce sont des scores de matchs de FIFA. Au niveau graphique, on atteint un nouveau cap et FIFA est alors le maître incontesté, malgré les efforts d'ISS. Konami, de son côté, part sur un autre terrain, celui de la simulation. Tout d'abord avec ISS Pro, puis quand il voit l'accueil du jeu, la boîte japonaise décide de scinder sa licence en deux. ISS d'un côté et Pro Evolution Soccer de l'autre. Et autant être clair, il n'y a jamais eu dans l'histoire du jeu de football une claque aussi énorme que Pro Evolution Soccer. Le jeu est exigeant, demande un investissement et une précision sans faille de la part du joueur qui se retrouve dans ce gameplay et qui retrouve le plaisir du football tel qu'il le joue dehors. Fini les courses de 80 mètres balle au pied et les missiles téléguidés en lucarne. Ici, une action qui va au bout sera une action qui aura été réfléchie, construite et réussie techniquement. L'éditeur veut un vrai jeu de football et cela se ressent dans son mode Ligue des Masters qui oblige le joueur à partir d'une équipe constituée de joueurs moyens, car oui, Castello et Minanda ne sont pas bons, je suis désolé, et de les faire progresser jusqu'au sommet européen. Addictif, vous avez dit ? Cette lutte va s'enchaîner sur la génération de consoles suivante. Et si PES5 est à mes yeux le meilleur PES de l'histoire, c'est bien PES6 qui se verra recevoir l'accueil le plus chaleureux de la part du public. Le jour de la sortie, c'est la queue devant les Fnac et les Micromania, et PES6 sera le produit culturel le plus vendu de l'année. Pour ce monstre qui représente le summum du jeu de foot sur PS2, le futur paraît limpide. Malheureusement, l'histoire nous montrera que ce n'était que l'apogée de Konami avant le déclin. Mais faisons une autre pause sur nos licences principales et allons voir ce qu'il se passe ailleurs, car oui, d'autres essayent de prendre un autre courant footballistique, encore plus arcade que FIFA. On garde les cages et le ballon, pour le reste, on s'arrange avec les règles. Et pour trouver ces jeux, regardons tout d'abord en 2002, où sort sur les trois consoles de l'époque Sega Slam Soccer. Le géant nippon veut revenir dans la course, mais il sait bien qu'il n'a pas les moyens de faire du FIFA ou du PES après l'échec de la Dreamcast. Il se lance alors dans le jeu d'arcade décomplexé. Super saut, frappes stratosphériques sont à l'appel, et même si le jeu est bien inférieur au Mario qui sortira quelques années plus tard, Sega Slam Soccer reste agréable. C'est malheureusement son manque de variété qui fait que l'on se lasse vite du jeu. Et c'est en 2005 que la claque viendra, avec deux jeux. Tout d'abord, nous y trouvons évidemment Mario et ses copains qui ont décidé, après le tennis, le golf, le kart et compagnie, de se lancer dans le football. Et que dire si ce n'est que c'est réussi ? Gros tag, jet de banane et carapace s'enchaînent avec des super frappes de la mort. Et comme d'habitude sur le GameCube, la partie graphique ne déçoit pas du tout. Le casting, bien que limité, est intéressant et le jeu est plus profond et technique qu'il n'y paraît. On ne s'en lasse pas. Ils sont quand même très forts chez Nintendo. Mais la PlayStation n'est pas en reste puisqu'elle va accueillir le mythique FIFA Street. Jeu à la BO dantesque commenté par Cool Chain en France, FIFA Street reste un jeu où le gris-gris, les roulettes, les ballons en l'air avant bicyclette dans la tête du gardien et les ish-ish sont légion. Et
Avec un gameplay taillé sur mesure, des équipes de 3 constituées des plus grandes stars de l'époque, licence oblige, FIFA Street est un monstre que le récent mode Volta de FIFA peine à venir titiller plus haut que la cheville. L'ambiance survoltée font cartonner le jeu, qui rentre alors dans la légende. Et vous vous souvenez de Captain Tsubasa, les adaptations d'Olivier Tom sur NES et Super Nintendo ? Eh bien en 2008, un petit jeu sort sur Game Boy Advance, Inazuma Eleven, développé par Level 5. Jeu d'aventure, RPG et jeu de foot au gameplay particulier, car se joint au stylet. Inazuma Eleven raconte l'histoire d'une équipe de foot scolaire à grand renfort de dessins animés. Le jeu est un carton et verra pas moins d'une dizaine de suites lui succéder. Il sera même adapté en manga et en animé. Carton plein pour Level 5. Mais revenons à nos deux mastodontes. La nouvelle génération de consoles annonce de nouvelles difficultés pour les éditeurs japonais qui peinent à se renouveler. Toutes les grosses licences Nippon s'écroulent et PES suit cette mouvance. PES 2008 n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus spécialement bon. Il est même moins fin et moins technique que ses prédécesseurs. Et après un PES 6 de l'espace, c'est la douche froide pour les joueurs. PES perd une avance que l'on pensait définitive face à son rival. Les jeux moyens s'enchaînent et la licence semble perdre toute sa gloire passée. Il faut dire qu'en face, bien calmée par Konami, Electronic Arts va tout donner pour son entrée dans la génération PS360. FIFA 8 est à FIFA ce que Pro Evolution Soccer est à ISS. On efface tout et on recommence, on fait son mea culpa, mais sur le terrain de l'exigence. À l'heure actuelle, FIFA 8 reste peut-être la meilleure simulation de football jamais sortie. Les possibilités sont énormes, les dribbles assignés au stick droit, et c'est sur cette génération de consoles que FIFA va révolutionner une deuxième fois le jeu de football. Quelques années plus tard, FIFA et PES sortent le mode inspiré par Libero Grande, où le joueur n'incarne qu'un seul avatar sur le terrain. Les consoles sont alors toutes connectées, et FIFA comprend qu'il y a peut-être un petit billet supplémentaire à se faire. Alors pourquoi ne pas rêver du must de la simulation sportive ? Le 11 contre 11, le club, mais avec ses potes. Si les deux jeux travaillent sur cet aspect, Electronic Arts voit dans la connectivité un moyen encore plus rentable de l'exploiter. Jusqu'à maintenant, l'online n'était constitué que de matchs classés ou amicaux, quelques coupes par-ci par-là et les joueurs s'en contentaient. L'illumination viendra chez Electronic Arts par le souvenir des albums Panini. Vous savez, ces petits catalogues d'autocollants que l'on prenait un plaisir fou à s'échanger dans les cours de récré quand on était enfant. Si FIFA pouvait vendre des cartes aux joueurs en plus du jeu, ça serait pas mal pour la bourse. Et la rentabilité des productions contemporaines coûtant de plus en plus cher. FIFA sort alors Ultimate Team. On ouvre des paquets de cartes pour constituer une équipe de rêve, on se les achète, on se les revend, et toute une économie parallèle au prix du jeu se met en place. Le gameplay de FIFA s'adapte alors pour que tout le monde veuille acheter ses cartes. Fini la simulation extrêmement pointue, FIFA fonce droit vers le chemin de l'arcade, sans vraiment le dire, faisant rêver ainsi les joueurs avides de simulation à chaque annonce de nouveaux jeux. Alors même si depuis PES s'est grandement amélioré sur les versions PS4 et Xbox One, l'écart se resserre, mais on a deux visions du football un petit peu différentes. FIFA reste sur le terrain de l'arcade, malgré son petit crochet par la simulation en 2008 jusqu'à 2012, à peu près, grand maximum, et PES revient petit à petit. Même si les jeux ne sont pas flamboyants des deux côtés, on peut quand même y prendre du plaisir. Néanmoins, les deux jeux accaparent toutes les ventes et toute la production de jeux footballistiques, et on aimerait bien qu'un troisième éditeur vienne mettre un petit coup de pied, voire un grand dans cette fourmilière. Quand on voit le travail que fait 2K avec la série NBA, on pourrait se dire qu'un troisième larron dans le secteur ne ferait pas de mal. Mais soyons clairs, l'investissement est tellement conséquent pour créer un jeu de foot à l'heure actuelle que peu d'éditeurs vont s'y risquer. Déjà que la licence de PES est en danger annuellement, on se demande à chaque fois si un nouveau PES va réussir à sortir, puisque le jeu n'est plus aussi rentable qu'il l'était il y a une dizaine d'années. Enfin bref, voilà pour l'histoire du foot en jeu vidéo. Je n'ai évidemment pas été exhaustif sur le nombre de titres, puisque des centaines de jeux sont sortis, mais j'ai essayé de garder ceux qui avaient été emblématiques, ceux qui m'avaient marqué étant gamin, ainsi que ceux qui étaient plutôt drôles.
J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On aura donc une émission par mois à partir de maintenant. Allez, je vous dis ciao.